Je suis sûr que tu la connaissais pas celle-là. Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. En fait, quand tu ajoutes les premiers nombres impairs consécutifs, 1 plus 3 plus 5, regarde ce que ça fait. Ici, il y en a 3, donc le résultat, c'est 3 au carré. Parce qu'il y en avait 1, 2, 3. Donc tu fais 3 au carré, ce qui fait 9. Et donc, si on a calculé cette somme-là, comment est-ce qu'on fait? Bah, c'est pareil. Comme c'est bien les nombres impairs consécutifs et on part de 1, on regarde où est le terme. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on fait 5 au carré. 5 au carré, 25. C'est fou, non? Tu veux qu'on vérifie quand même? 1 et 9, on est à 10. 7 et 3, on est à 10. Et avec 5, 25. Dis la vérité, tu la connaissais ou pas celle-là?